Translation. Being freed from attachment, fear, and anger, being fully absorbed in me, and taking refuge in me, many, many persons in the past became purified by knowledge of me, and thus they attained transcendental love for me. Vitarag bhaya krodha manmaya mam upasitaha bahavo gana tapasa bhuta madhava magata. This is a verse in Sanskrit spoken by Lord Krishna in the fourth chapter, verse number 10. Le dixième texte dans le quatrième chapitre de la Bhagavad Gita est le psy suivant. Étant libéré de tout attachement, peur et colère, étant pleinement absorbé en moi et prenant refuge en moi, beaucoup, beaucoup de personnes dans le passé se sont purifiées avec cette connaissance de moi et tous atteignirent à l'amour transcendantal pour moi. Ainsi parle Sri Krishna dans le quatrième chapitre de la Bhagavad Gita. Vitaraga means freed from attachment. Bhaya means fearfulness. And krodha means anger. So, being freed from these material qualities. Vitaraga veut dire libéré de tout attachement. Bhaya veut dire peur. Et krodha signifie colère. Donc, la signification, c'est que on est libéré de tous ces symptômes matériels. In the material existence, at the present moment, we are very much attached to the material enjoyment. That is called raga. And if we cannot fulfill our desire, then there is krodha, anger. And accompanied by krodha, an attachment, there is always a tendency of fearfulness. Tant dans ce monde matériel, on se voit presque toujours attaché à quelques gratifications sensorielles mondaines. Et lorsqu'on ne peut pas assouvir ce désir, il y a la colère qui l'accompagne. Et le compagnon de cet attachement, cette colère, c'est aussi la peur quand on n'est pas sûr de ce qu'on a trop atteint. So, Krishna says, Krishna means, when I speak Krishna, Krishna means the all-attractive Supreme Personality of God. So, manmaya, when one becomes attached to God, giving up the attachment of this material sense pleasure, when one becomes, attachment must be there, either this way or that way. If we do not become attached to the Supreme Being, then we must be attached to this material enjoyment. Therefore it is said, vitaraga, giving up the attachment of this material world. When you transfer your attachment to Krishna or the Supreme Being, manmaya mad upasita. Upasita means taking shelter of it. Unless you take shelter of Krishna or his representative, there is no possibility of being detached from this material enjoyment. Krishna signifie le plus attrayant. Et donc nous nous voyons toujours attirés ou attachés à quelque chose. Soit on est attaché à cette vie matérielle, plein d'attachements, peu de colère, ou en s'attachant à Krishna, automatiquement on peut renoncer à cet attachement inférieur. Bhava. Bhava means many. Jnana tapasa. By knowledge and austerities. Bhava jnana tapasa. Explain. Par la connaissance et par l'austérité,
Buddha means purify. Jnana tapasa purify. Buddha, madbhava madata. They come to my nature. There are two natures. Just like you can understand, you are combination of two natures, the material nature and the spiritual nature. Il y a deux natures. C'est là où nous pouvons facilement comprendre que nous-mêmes, nous sommes constitués par deux natures. Cette nature matérielle et la nature spirituelle. This gross body is material nature. It is made of earth, fire, water, air, ether, and mind, intelligence, and ego. Ce corps grossier est matériel. Il est composé de la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther, le mental, l'intelligence, et l'ego matériel. And the spiritual nature is yourself, the spirit soul, the living force, which is sustaining this material body. Mais l'âme spirituelle, c'est vous-même, vous qui maintenez ce corps intérieur, vous qui êtes à l'intérieur. So both these natures, the material nature and the spiritual nature, they are different energies of God. Tous les deux. Toutes ces deux énergies sont des différentes puissances de Dieu. Just like the fire has got two energies, namely the heat and light, similarly, God has got two natures. One is called material nature and the other is called spiritual nature. Tout comme le feu qui a deux natures, la nature feu, la nature lumière et la nature chaleur, de la même manière, Dieu, il a deux natures qui manifestent, celle qui est matière et celle qui est spirituelle. So, this cosmic manifestation which we experience is combination of material nature and spiritual nature. Donc ce que nous percevons est une combinaison de ces deux natures, matérielle et spirituelle. The material nature is called inferior nature, and the spiritual nature is called the superior nature. Mais cette nature matérielle est appelée inférieure, tandis que cette nature spirituelle est appelée supérieure. The material nature is inferior because the superior nature, living entity, controls over it. La nature matérielle est inférieure parce que l'être vivant domine cette énergie matérielle. Donc, notre vivant est supérieur. We have got experience, just like a big machine, computer, or any other machine. It is combination of matter, but it cannot work independently until and unless there is touch of the spiritual nature, a human being. Nous avons déjà une expérience à ce propos. Lorsqu'il y a une machine ou un ordinateur, on peut très bien voir que cette machine ne peut pas marcher à moins qu'il y ait une nature supérieure qui la fait marcher. The big airplane is floating in the mechanical arrangement. But unless there is a pilot, it cannot work. L'avion qui vole dans le ciel est une très bonne machine, très impeccable. Mais à moins qu'il y ait un pilote à l'intérieur, il ne peut pas voler. Similarly, he tried to understand that this material nature, cosmic manifestation, however wonderful it may be, unless there is direction of the Supreme Being, it is useless. Donc s'il y a cette manifestation cosmique, sûrement elle est merveilleuse, mais quelle que soit cette merveille, elle ne peut pas être maintenue
Elle n'existe pas, à moins qu'il y ait cet être suprême, cette énergie spirituelle qui la maintient. So, if you have understood the difference between material nature and spiritual nature, then try to understand that as you have got experience of this material nature, there is another nature, another sky, another planetary system, everything another, that is all made of spiritual nature. Si nous pouvons aussi voir qu'il y a l'énergie matérielle, l'énergie spirituelle, essayons de comprendre qu'il y a des manifestations, des planètes, des systèmes de solaire, tout qui sont faits de cette énergie spirituelle. So that spiritual nature is described in the Bhagavad Gita. You'll get information. Parastasmat bhava anya bhaktya bhaktya sanatana. That nature is called sanatana. Sanatana means eternal. En lisant la Bhagavad Gita, il est possible d'avoir des renseignements à propos de cette nature spirituelle. Un de ses symptômes, c'est que cette nature, elle est éternelle ou sanatana. As we have got this body, your body, my body, or anyone's body, it is temporal. Similarly, this material nature is temporal. Temporary means it has a beginning, it stays for some time, then it transforms, then it becomes old and it vanishes. Essayons de comprendre mon corps, votre corps, son matériel est provisoire. Ainsi, toute énergie matérielle est provisoire. Ne dure pas longtemps qu'il y a la création. Il y a le développement, il y a la vieillesse, la diminution, puis il y a la disparition de cette énergie matérielle. The spiritual nature, however, is different from this nature. The spiritual nature has no beginning, neither it has end. That is called sanatana, eternal. Mais cette nature spirituelle est très différente dans le sens qu'il n'a aucun début, il n'a aucune fin. We living entities, we belong to that spiritual nature. Nous les êtres vivants appartenons à cette énergie spirituelle. Therefore, about us, it is described in the Bhagavad Gita, na jayate na mriyate va kadachit. The spiritual, spirit soul is never born, neither dies at any time. Donc il est écrit dans l'âme spirituelle n'est jamais née, elle ne meurt jamais. Nitya sasatayam na hannati hannamani sarire. It is further described that this spiritual spark which you are, I am, and it is na hannati hannamani sarire. When the body is destroyed, the spiritual spark that does not destroy, that remains eternal. Cette étincelle spirituelle que nous sommes, qui est dans ce corps, lorsque le corps est détruit, cette étincelle spirituelle n'est pas détruite. Essayons de comprendre cela. So it is a great science to understand what is that spiritual nature and what is this material nature. And we have published about 80 books of 400 pages each for understanding what is this material nature and what is this spiritual nature. Par conséquent, cela est une grande science qu'on pourrait comprendre. À ce sujet, nous avons traduit et présenté une vingtaine de livres comprenant chacun 400 pages. So, at the present moment, the people, the whole human society is missing this knowledge of spiritual nature. En ce moment, la société humaine entière ne voit pas le vrai besoin et donc ne participe pas vraiment à cette énergie spirituelle. Therefore, they are attached to this material nature, and here is a formula how we can become detached to this material nature and come to our original nature, spiritual nature. Donc ils sont attachés à cette énergie matérielle.
Mais ici, dans la Bhagavad Gita, on trouve la formule comment on peut se détacher de cette nature matérielle, la dépasser, la transcender. We are traveling all over the world, but there is no university, no institution, no school, no college, where the education of spiritual nature is imparted. There is none. Nous avons voyagé dans le monde entier, mais nous n'avons vu aucune université, aucune faculté, aucun lycée, aucune école qui enseigne systématiquement à propos de cette nature spirituelle. The greatest scientists, philosophers, they see that a man, a great scientist, great philosopher, is working very nicely. But as soon as the spiritual nature is gone, this material nature body is useless. Un scientifique, un philosophe, travaille très bien, mais dès que cette nature spirituelle s'en va, le corps ne peut plus, et leurs activités terminent. So on the whole, this great knowledge is missing at the present moment in the human society. Donc cette connaissance la plus essentielle, la plus grande, actuellement manque dans la société. So this Krishna consciousness movement is specifically meant for educating people about the spirit soul. Donc ce mouvement pour la conscience de Krishna est fait simplement pour enseigner les gens à propos de l'âme spirituelle. It is not a sectarian religion. It is a science. Don't take it as a type of religion. Ce n'est pas une religion sectaire. C'est une science. Et ne le prenez pas pour une religion. It is a course of education which is understandable by the human society, not by the cats and dogs. C'est un cours éducatif que l'homme pourrait comprendre, mais qu'un chat ou un chien ne comprendra jamais. If I call a dog, please come here, read this book, how he'll understand spiritual nature, it is not possible for me. Si j'appelle un chien, je lui dis, s'il vous plaît, venez ici, lisez ce livre, essayez de comprendre, cela est impossible, il ne peut rien. But if I call a human being and I ask him, and if he agrees to understand what is spiritual nature, it is possible. Mais si j'appelle un être humain, je lui dis, s'il vous plaît, essayez de comprendre cette nature spirituelle avec la Bhagavad Gita, avec ses textes, cela est possible. That is the difference between dog and a man. Cela constitue la différence entre un homme et un chien. A dog cannot understand what is spiritual nature, but a man can understand. Un chien ne peut pas comprendre qu'est-ce que la nature spirituelle, mais un homme peut très bien comprendre. Therefore, the conclusion is, if in this human form of life, we do not take advantage of understanding what is our spiritual nature, then we are no better than the dog. La conclusion, donc, c'est que si nous ne tirons pas parti de cette en essayant de comprendre qu'est-ce que la nature spirituelle, nous ne sommes pas mieux que les chiens. It is an opportunity given by the nature or by God to understand this human form of life. We should not miss this opportunity. This is Krishna consciousness movement. Cette forme humaine est une grande occasion accordée par la nature, par Dieu, pour que nous puissions comprendre cette nature spirituelle. God is personally giving you the information. What is the material nature? What is the spiritual nature? How you can transfer yourself to the spiritual nature and then you come to your original constitutional position. Dieu donne ses enseignements. Qu'est-ce que la nature matérielle? Qu'est-ce que la nature spirituelle? Comment on peut accéder à la nature spirituelle? Our original position is Sat-Chit Ananda, means eternity, knowledge and blissfulness. Notre position originelle s'appelle Sat-Chit Ananda, c'est-à-dire plein d'éternité,
The Supreme Being, Krishna or God, is also Sat-Chit Ananda Vigraha. He has his transcendental form of eternity, knowledge and blissfulness. L'être suprême, Sri Krishna, il participe aussi à ces qualités de Sat-Chit Ananda Vigraha. Sa forme donc est faite d'éternité, connaissance et félicité. So, the Supreme Lord, a Supreme Being, is also Vigraha. Vigraha means form. As you are form, I am form. Similarly, God is also form. He is not formless. Donc il a dit, Vigraha, vous avez une forme, je n'ai une forme, nous sommes tous une forme. Pas pour Dieu, il a une forme aussi. Il n'est pas sans forme. So, that is describing the Vedic literature. Ishara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadi Radhi Govinda Sarvakaranakar. The Supreme Being, who is called Krishna, are all attractive. He has his body of eternity, full of knowledge and blissfulness. Cela est écrit dans les écritures védiques, Ishara Parama Krishna Satchidananda Vigraha. Now, compare your this body. This body is not eternal. It is temporary. It is born at a certain date and it will be finished at a certain date. Therefore, it is not eternal. On peut constater une date lorsqu'il a paru, et on pourra constater aussi une date lorsqu'il disparaîtra. Neither this body is full of knowledge, it is full of ignorance. Mais ce corps n'est pas plein de connaissances, ce corps est plein d'ignorance. If I ask you how many hairs you have got on your head, you do not know. Si je vous demande combien de cheveux avez-vous sur votre tête, vous ne savez pas. Similarly, we have got this body. I am claiming my body, but I am not in full knowledge of my own body. And what to speak of knowing your body or other's body? Not only body, the mind, intelligence and ego. What is going on in your mind, I do not know. Neither you know what is going on in my mind. We are so ignorant. Therefore, this body is temporary and full of ignorance. And what to speak of blissfulness? It is always miserable. Because we have got this body, we suffer the pains of cold and heat. This is only one example. It is given in the Bhagavad Gita, Matras Parasastu Kuntiya, Shitosna Sukhadukhada. Shita means cold. Just like we in winter we suffer, and summer also we suffer. Both seasons we suffer. So why we suffer? Because we have got this temporary material body. The duality of the chaleur et du froid est comme exemple donné de la Bhagavad Gita. Pendant l'hiver, nous souffrons à cause du froid. Pendant l'été, nous souffrons à cause de la chaleur. Cela est strictement dû à ce corps matériel. Therefore, Krishna said, Matras Parasastu Kuntiya, Shitosna Sukhadukhada, Agamapayana Anitya, Tana Titikhasya Bharata. The idea is that we should not be disturbed by this material misery, which come and go like this change of season. It is not permanent. Donc la signification de tout cela, c'est que nous ne devrions pas être dérangés
faire le va-et-vient de ces différentes misères et quand vous devrez les dépasser. At the present moment, the whole human civilization is simply disturbed by the change of this cold and heat. Au moment actuel, la civilisation humaine est dérangée simplement par le changement de chaleur à froid. All activities are there. How to stop this miserable condition of the body, which is impossible to stop? Toutes vos activités, comment arrêter les misères de ce corps? Mais c'est impossible, car le corps est misérable. So, if we simply become affected by the miserable condition, their miserable condition in the material world must be there. Donc si nous sommes affectés par ces conditions misérables, dans un sens, c'est que ce monde est une manifestation qui donne des conditions misérables. You cannot stop this miserable condition of material existence, it will come and go away. You will simply disturb it. Vous ne pouvez pas arrêter ces différentes conditions misérables de l'existence. Simplement, elles sont mortes. Therefore Krishna says, Vitarāva bhaya krodha. One has to be detached from this coming and going miserable condition of material existence. Donc Krishna dit Vitarāva bhaya krodha, que simplement on devrait se détacher de ce va-et-vient de conditions misérables. And how it is possible? That is also said, manmaya māmapāsita. One has to be absorbed in my thought and has to take my session. Et comment s'en détacher? Krishna dit dans la Bhagavad Gita, Bhagavad Gita, que simplement on devrait s'engager dans mon service et mon transcendant. The Gyana means knowledge. Knowledge means one must know that I am spirit soul, part and parcel of God. Somehow or other have been entangled in this material body. Et cette connaissance, ça signifie que simplement, je suis un spirituel, je suis une valeur spirituelle. Mais pour une raison ou autre, je me vois dans ce corps matériel et je ne le suis pas. So, we have to cure this disease, material disease, accepting this material body. Donc nous devons guérir cette maladie matérielle, cette acceptation de corps matériel. Our real problem, which is described in the Bhagavad Gita, janma mrityu jara vyadhi dukkha dushanu darshana. Our real problem is that we are accepting a material body and after some days we are giving up the present material body and we are accepting another material body. Notre vrai problème, décrit dans la Bhagavad Gita, c'est que nous voyons obligés d'accepter ce cœur. How we are accepting different bodies that you have got experience, just like you, I, both of us, had a small child body that is now gone. The boy's body is now gone. The youthful body is now gone. Now I have got a different body, but I know that I have such and such body. Nous avons une expérience très pratique du fait que nous changeons de corps. Nous pouvons tous nous rappeler qu'on a eu le corps d'un bébé, qu'on a eu le corps d'un jeune adolescent. Et on peut voir que le corps change, mais on peut toujours se rappeler de tous ces corps antécédents. Similarly, when this body will be useless, I cannot use it. I will have to accept another body. Carrément, quand ce corps deviendra inutile, en ce moment-là, je le perdrai, je serai obligé d'en prendre un autre. That we have got experience daily, in day and night. When you sleep at night, although you have got this body lying on my bed, I accept another body, subtle body, and I go to another place and dream. Et nous avons une expérience traumatique de cela aussi, pendant le jour et la nuit. Par exemple, pendant la nuit, on dort, en fait, on n'a plus besoin de ce corps, on est quitte pour aller ailleurs, avec un corps subtil, comme ça.
Similarly, at night when I give up that subtle body which took me far away from my bed, again I come and accept this material body and wake up. Et puis plus tard, quand je vois que je dois renoncer à ce corps subtil avec lequel j'ai quitté mon lit et je suis allé tellement loin, je dois me réveiller et je me revois dans ce corps. Death means to leave this body and carried by the subtle body to another gross body. That is called death. Donc la mort, que signifie-t-elle? La mort signifie de devoir quitter ce corps grossier. Avec le corps subtil, on est amené à un prochain corps grossier. We are carried by the mind, intelligence and ego, subtle body. Et ce corps subtil, mental, intelligence et faux ego, ego matériel, nous porte dans un prochain corps matériel. Just like we can experience a good scent of rose flower is carried by the air. We cannot see, but we know that the flavor is being carried by the air. Tout comme le parfum d'une fleur qui est planté par l'air. On ne peut pas voir cet arôme, mais on peut très bien savoir que ce parfum est vraiment planté par l'air. Similarly, although we do not see how the spirit soul is being carried by the subtle body, but it is being carried and it is being put into the womb of another mother to develop another gross body. Car nous ne voyons pas comment nous, l'âme spirituelle, est portée dans un prochain corps par le corps subtil, mais c'est un fait. So this body is offered by nature. This body is given by the material nature. Similarly, we or I, the spirit soul, being carried by the subtle body, and the nature is giving me another gross body. Donc nous ne voyons pas cela. Nous sommes dans ce corps matériel grossier. In this way, we are transmigrating from one body to another. This is called evolution. And there are 8,400,000 of bodies, and we are going through one after another. Cela s'appelle la transmigration de l'âme, quitter le corps pour prendre un autre, l'évolution. Et il y a 8,400,000 différentes espèces, différentes formes. Et dans une de ces formes, on tombe. So, this human form of body is the only chance that we can stop this transmigration of transferring ourselves from one body to another and come to our spiritual body. Donc, ce corps humain, cette forme humaine, est le seul échappatoire au fait que nous allons transmigrer et prendre un prochain corps matériel. This process is described here as puta, purification, existential purification. That is called puta. Le procédé est appelé puta, la purification. Comment se purifier? Just like when you are infected by some disease, you have to purify yourself of that infection and you come to a normal health. Tout comme lorsqu'on tombe malade, il est nécessaire qu'on se purifie afin qu'on puisse retourner à sa condition originelle de santé. Similarly, by knowledge and purificatory method, if you come to a spiritual knowledge and spiritual platform, then your life is successful. Donc par la connaissance, par un procédé purificateur, il est possible d'arriver à ce stade de conscience et donc la vie devient un succès. So the purificatory process, we are taking the essence of all Vedic literature, the four principles, namely no illicit sex, no intoxication, no meat eating and no gambling. Donc comment se purifier? Les écritures védiques disent pas de vie sexuelle illicite, pas d'intoxication, pas de jeu d'hasard spéculatif et pas de manger de viande ou de poisson. This is called tapasya. Tapasya means voluntarily accepting some inconvenience. That is called tapasya. Donc
Et cela s'appelle tapasana, c'est-à-dire de volontairement accepter une soi-disant inconvénient. Suppose I am accustomed to smoke or to drink. If I give it up, there will be certainly little inconvenience. But for the better cause, I have to suffer voluntarily. That is called tapasana. Tout comme si je suis attaché à fumer des cigarettes, si j'y renonce, il y a un petit inconvénient, mais il y a aussi un bénéfice. Et d'accepter ce petit inconvénient, cela veut dire tapasana. Nobody will die if he does not get facility for illicit sex or enjoying intoxicants and meat eating. Nobody will die. All the members of Krishna Conscious Society, they have given up. But for that reason, we are not dying. It is not difficult. Simply, we have to accept in the beginning there may be little inconvenience, but when you come to the platform, there is no inconvenience. Nous n'allons pas mourir si nous renonçons à ces mauvaises habitudes qui empêchent notre vie spirituelle. Vous pouvez constater tous ces disciples dans la conscience de Krishna. Ils ont renoncé à s'intoxiquer ou à avoir des rapports sexuels ici, mais ils ne meurent pas. Et d'accepter ce petit inconvénient, cela est le but, cela est le sujet. So, if we actually want to be cured, from this disease condition of repetition of birth, death, old age and disease, we have to abstain from this sinful life. So, it is not difficult, it requires little knowledge, as it is said, jnana tapasa, little knowledge and little austerities. Then you become purified and madhama madhata, you can go to the spiritual nature, the kingdom of God. Ce n'est pas difficile. Il faut simplement tirer parti de gyanatapasa, un peu de connaissance. Et comme ça, il est possible d'atteindre la nature spirituelle. I think this process is not at all difficult, and all the ladies and gentlemen who have come here will accept this process and make his life perfect. Thank you very much. Je pense que ce procédé n'est pas très difficile. Je suis sûr que tous les dames et messieurs qui sont venus ici pourront en tirer le parti et l'accepter. Je vous remercie infiniment. Any questions? Si vous avez des questions, vous allez me les poser. Anyone has a question? Jesus Christ, it is said that he made the miracle of the fish and ate. So why is it that one should not eat meat? Jesus Christ said, you shall not kill while you are killing me. Jésus Christ a dit, ne tuerai point, pourquoi avoir tué? Ce que je ne comprends pas, c'est que Jésus donnait les poissons à manger. But then why did he eat fish? He can eat the whole world. But you cannot do that. You must follow his instruction. Thou shalt not kill. You must have discrimination. You are human being. You are not cats and dogs. You must have discrimination. What to eat, what to not eat. Il faut avoir la discrimination. Vous êtes un des chiens et des chats. Vous devez discerner entre ce que vous mangez et ce que vous ne mangez pas. Because we have to eat, some other living entity does not mean that I shall eat my sons and daughters. Simplement parce qu'il faut que je mange, cela ne veut pas dire que je vais manger mes frères et mes soeurs. Discrimination is the best part of hell. La discrimination est la chose la plus essentielle. So far we are concerned, we are eating certainly vegetables, but not directly. Jusqu'à présent, nous
we eat Krishna prasad. Nous mangeons quelques légumes, le fruit c'est la pâte, mais nous ne les mangeons pas directement, nous mangeons Krishna prasad. Krishna says, patram pusvam phalam tuyam jumi bhaktya prajachati. Anyone who offers me with love and affection, vegetables, grains, milk, I eat. So, if there is any sin for eating vegetables, that is Krishna's sin, not our sin. We take the prasad. Donc il dit que l'enfant la nourriture de Krishna. We are teaching people to eat Krishna prasadam. We are not teaching people to become vegetarian and non-vegetarian. That is not our business. Nous enseignons au public manger Krishna prasadam. Nous n'enseignons pas à devenir végétarien ou non-végétarien. After all, we have to eat. So if we eat Krishna prasadam, that is stated, jagyasishta sino santo muchanti sarvakirmisam. If you accept prasadam, which is offered to God, then you are free from all sinful desired action. Donc si vous devez manger, il a dit que c'est simplement pour manger la nourriture offerte à Dieu, Krishna, en ce moment-là, vous pouvez vous libérer. How can one serve Krishna in daily life? Yes. Krishna said, jat karosi, jat jahosi, jat asnasi, jat tapasasi, kurusatat madatpana. Krishna said, whatever you do, jat karosi. It doesn't matter what you are doing. Kurushatad madarpana. The result you give me. Now suppose you are working, you are getting, say, $100. You give it to Krishna. That is service. When Krishna si vous offrez cet argent à Krishna, si vous utilisez ce que vous avez gagné dans la service de Krishna, cela veut dire servir Krishna. The practical example is that these European American boys, they are all qualified, but they have dedicated their life to Krishna. They are working and we are collecting also thousands and thousands of dollars daily, but we are spending for Krishna. This is service. Tout comme ces jeunes garçons, les jeunes filles, tous ces disciples occidentaux, ils avaient tellement de choses, ils ont renoncé à ces choses pour servir à Krishna. Maintenant, avec nos activités, on gagne des milliers de dollars tous les jours. Et chaque heure, on est mis dans le service de Krishna et n'a aucun effort. You can see by their practical example, they can earn daily hundreds of dollars. But they are not demanding any very comfortable place to sit down or to lie down or to have some palatable dishes. Whatever is Krishna's prasada, they are accepting and they are living in any condition of life. Vous pouvez voir que ces disciples travaillent et qu'ils peuvent gagner de l'argent comme tout le monde. Vous pouvez voir aussi que ces disciples n'exigent pas salaire, n'exige pas une situation commode, n'exige pas de la nourriture très spéciale, savoureuse, mais vivre très simplement. C'est la réponse. So far I am concerned, I'm Indian. I may be coming from a poor country. But they are not coming from poor country, from their childhood, they are accustomed to all comforts of life. How they have sacrificed everything for Krishna, that is practical. Quant à moi, je viens depuis, peut-être pour vous dire, pauvre, l'Inde, mais tous ces disciples, ils ne viennent pas d'un pays pauvre. Ils avaient tout le nécessaire, tout ce qu'il fallait. Alors comment donc ont-ils pu renoncer à toutes ces conveniences matérielles, à tout ce qu'ils avaient pour servir le Krishna? So, the point is, when one learns how to love Krishna, how to serve Krishna,
immediately he becomes detached from all material compounds. Donc la conclusion, c'est que lorsque nous apprendrons à comment servir Krishna, nous deviendrons détachés de toute condition matérielle. That is explained, vitarāga bhaya krodha manmaya mām upāsita. If we accept Krishna, we are serving. We cannot do without serving, but we are serving our senses. So instead of serving our senses, if we serve the senses of Krishna, that is perfection of life. Donc cela est expliqué dans le texte que l'on a lu ce soir. La question de service est toujours là. La proposition, donc, c'est au lieu de servir nos propres sens, on peut servir les sens de Krishna. Et comme ça, c'est perfection. So you learn how to serve the senses of Krishna and be happy. That's all. Donc si vous faites simplement, apprenez comment servir les sens de Krishna. All right. Any other question? Yes, it does have a question. Then let us chant Hare Krishna. Yes, one and there is question. One question. All right. La sagesse antique nous dit que lorsque l'on veut avoir l'air d'un sage, c'est-à-dire les signes extérieurs de sagesse sont souvent des signes intérieurs. Plus fort, s'il vous plaît. Je vous entends mal. Je dis que la sagesse antique nous enseigne que lorsque l'on veut avoir l'air d'un sage, c'est-à-dire lorsqu'on comprend des signes extérieurs de sagesse, ce sont souvent des signes intérieurs de subtilité. Et c'est parce que le sot a l'air d'un sage que le sage a l'air d'un sot. Et la vraie sagesse, en principe, est indétectable sur l'apparence. This gentleman says that real wisdom is not manifested by any exterior show, and that it is interior, and the real sage cannot be seen. Cannot be seen? Then why are taking education, taking degrees? Why you are appearing for examination in the university for degrees? It cannot be seen? If you are actually qualified in something, it must be manifested. Otherwise, everyone will say that I am quite qualified, but you cannot see. What is it? How I shall distinguish between the qualified and the non-qualified? The qualification must be seen. That is the conclusion. All right. Chant Hare Krishna. Please join me. Si vous êtes timide.